Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On a vu la dernière fois dans la vidéo consacrée aux annexes de Mist of Pandaria, on avait vu le règne de Lai Shen, hein, partie 1, et dans la partie 2, bah, la fin du règne de Lai Shen. Donc ça avait beaucoup tourné autour de Lai Shen. Je rappelle d'ailleurs que concernant Lai Shen, le personnage, son histoire du coup est arrêtée, puisqu'on avait vu la mort lors du carnage sur Uldum. Eh bien, Lai Shen, on en reparlera évidemment dans la vidéo sur Mist of Pandaria. Mais après Lai Shen, eh bien, il y a eu pas mal, on en avait parlé, il y a eu pas mal de dynasties Mogu qui se sont succédées. Alors, il n'y a pas un listing parfait, mais malgré ce que l'on pourrait penser, eh bien, en fait, il y a quand même certaines dynasties qui sont évoquées. On a quand même des noms. Et ça, c'est super intéressant, puisque du coup, on n'a pas toutes les dynasties, je préfère le dire. On n'a pas l'ordre des dynasties, même si je vous ai mis la enfin, on vous a mis la dynastie Lei avec Evanessor, évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs, encore une fois, hein, description, allez le suivre sur ses réseaux sociaux. Il m'a beaucoup aidé pour la vidéo, pour toutes les vidéos sur MOP, et la vidéo qui arrive sur Mist of Pandaria. Donc, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou sur ses réseaux et le suivre, etc. En attendant, donc, on a commencé par la dynastie Lei, qui au final, il n'y a que lui, hein, c'est Lai Shen. Mais les autres, d'ailleurs, on ne sait même pas vraiment si la dynastie s'appelle vraiment Lei. Mais bon, vu que c'est Lai Shen, on a gardé le terme Lei. Par contre, les autres, ce sont des dynasties qui ont vraiment existé. Donc on a la dynastie Wai, la dynastie Wei, la dynastie Qiang ou Xiang, la dynastie Shen, la dynastie Dojan et la dynastie Guolai. Alors, ce qui est très intéressant avec ces dynasties, je vais vous évoquer deux, je vais vous en évoquer une ou deux. Mais en fait, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plein d'empereurs vont se succéder, les uns après les autres. Les Mogu, en plus, c'est des êtres qui, grâce à Lai Shen, ont redécouvert, enfin, ont pu vaincre la malédiction de la chair, donc ils vivent longtemps. Mais en plus de ça, y a des traîtrises, un petit peu comme l'Empire romain ou certaines dynasties un peu instables, on a parfois des trahisons, etc. Et au final, eh bien, chaque dynastie a un impact différent sur la société Mogu, et tout simplement la société, l'Empire Mogu. Parce que c'est pas que les Mogus, c'est aussi les races qui sont inféodées aux Mogus. Et au final, aucune dynastie n'arrivera à atteindre l'âge d'or de Lai Shen. Lai Shen a fait tellement de son vivant que c'est très dur pour un empereur d'égaler, hein, le premier empereur des Mogus. Ce qui est intéressant quand même, c'est que chaque dynastie va à peu près graver sa patte, on va dire, graver l'histoire de sa patte. Et notamment, eh bien, on a par exemple la dynastie Wei, attention à pas confondre avec la Wai, la Wei, avec tout simplement des accords, des droits donnés aux esclaves, un peu plus de droits donnés aux esclaves, notamment l'accès à la lecture. Et c'est notamment Cao Wei, donc, ou Cao Wei, comme vous préférez, c'est Cao Wei la prononciation, pour le coup là j'en suis sûr. C'est le seul empereur qui par exemple est glorifié par les Pandaren. Il a une statue à son effigie, c'est dans la vallée, non c'est pas la vallée des 80, c'est tout simplement la forêt de Jade, nord-est. Il y a une statue de Cao Wei, empereur justement qui avait donné, probablement était l'empereur le plus proche des esclaves, sans pour autant leur enlever leur grade d'esclave, mais on va dire plus humain entre guillemets dans son traitement des esclaves. Et par exemple, il y a aussi la dynastie Dojan qui est particulièrement bien connue et que vous pouvez voir dans les quêtes de Krasarang sur Mist of Pandaria, puisque la dynastie Dojani, alors eux c'est l'inverse, hein, c'est des gros bourrins, mais alors des sacrés bœufs. Puisque ils sont connus pour avoir notamment lancé les plans d'invasion et de conquête de Krasarang, et notamment cette lancé tout simplement l'anéantissement complet, hein, et la tentative de génocide, hein, purement et simplement des Sorok, vous savez, ces espèces d'hommes lézards de Pandarie. Et au final, les Sorok qui ont été, je le rappelle, en plus créés par les Mogus. Donc ils ont tout détruit, poussé les Sorok vers le sud, vers Krasarang. Et je rappelle aussi, c'est une anecdote qui a été un peu oubliée, mais vous avez notamment cette patte que j'évoquais dans l'histoire qui est retenue. Pourquoi? La vallée des 4 vents, vous vous dites, ah c'est joli, c'est la vallée des 4 vents. La vallée des 4 vents, ça fait partie de la région de Krasarang. Et en fait, avant, c'était une jungle. La vallée des 4 vents. Et pourquoi c'est plus une jungle, la vallée des 4 vents? D'où le fait que c'est une vallée maintenant, justement, la vallée des 4 vents, parce que avant c'était une jungle, donc les arbres retenaient le vent, maintenant plus du tout, donc c'est le bordel. Et en fait, la vallée des 4 vents, le principe, c'est que les Mogus ont fait une déforestation massive pour empêcher les Sorok d'avoir des abris, d'avoir des cages, de pouvoir tendre des embuscades aux Mogus. Donc en fait, la vallée des 4 vents, c'est un grand chantier. Parce que imaginez que c'est une région de haut, donc l'échelle n'est pas respectée, mais imaginez que c'est en fait probablement l'un des plus grands chantiers Mogus de déforestation. On peut imaginer le nombre d'esclaves qui sont morts dans ces travaux d'ailleurs.
pour pouvoir justement empêcher tout simplement les Sorok de se cacher. Donc c'est vraiment un plan de taré, c'est là où vous voyez le côté bœuf de cette dynastie. Et on retient encore ça de cette dynastie, et faites les quêtes de Krasarang et de la Vallée des 4 Rangs, vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, il y a pas mal de dynasties qui se sont succédées. Tout ça dans un espace de temps assez réduit, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, je reviendrai à la fin. Mais du coup, on a pas mal de dynasties qui se sont succédées et de manière longue, malgré tout. Ça reste long, bien sûr, c'est pas, on parle de milliers d'années. Donc, beaucoup d'empereurs différents, mais celui qui va nous intéresser particulièrement, c'est Lao Fei. Alors, par exemple, Lao Fei, on ne connaît pas sa dynastie, hein, on pourrait partir du principe que c'est la dynastie Lao, mais on ne sait pas. Et c'est un empereur particulièrement brutal. Hein. Je vous ai parlé des Dojan, je vous ai parlé des Dojani, je vous ai parlé de Cao Wei. Là, pour le coup, c'est vraiment, même pour le standard Mogu, c'est une brutasse, hein, c'est un bourrin. Et il est notamment connu pour sa tyrannie et son traitement cruel à l'égard des esclaves. Donc, complètement à l'inverse de Cao Wei que je vous ai pris en exemple tout à l'heure. Par exemple, il séparait les familles au moindre trouble pour éviter le plus de rébellions possible. Et sa grande particularité, hein, sa spécificité à ce cher Lao Fei, c'est d'envoyer même des enfants, hein, ça ses prédécesseurs ne le faisaient pas, mais envoyer des enfants sur le mur, hein, sur l'échine du serpent, pour contenir les lors des cycles mantides, pour contenir la menace mantide tous les 100 ans. Sympa, l'ambiance évidemment était parfaite, et ça c'est quand même quelque chose qui va rester dans les têtes, puisqu'on va avoir tout simplement un personnage qui va sortir du lot, c'est tout simplement une famille même, une famille parmi tant d'autres qui vont faire les frais de la brutalité du règne de Lao Fei. Un maître brasseur pandaren du nom de Kang, qui faisait jusqu'à une certaine période, faisait profil bas, était un maître brasseur, donc c'est quelqu'un qui faisait de la bière, hein, et il essayait de voilà d'apporter un petit peu de réconfort dans les familles des autres pandaren. Je rappelle que les pandaren sont des esclaves parmi d'autres races des Mogu et de l'Empire Mogu, notamment du coup essayer d'apporter un peu d'alcool, un peu de réconfort, buvez avec modération évidemment, mais essayer d'apporter un peu de réconfort aux familles d'esclaves pandaren. Et pour une broutille, alors on n'a pas les éléments, mais son fils que vous voyez au-dessus, alors c'est pas vraiment eux, hein, c'est une représentation artistique bien sûr, mais son fils du coup, Shailun, a été envoyé au mur, hein, on sait pas vraiment, mais apparemment c'était vraiment pas grand chose, peut-être qu'en courant, en s'amusant, il a percuté un garde, enfin c'est un exemple parmi d'autres, on sait pas trop. Mais du coup, pour cet acte, eh bien, il va être envoyé au mur, servant de chair à canon, du coup, contre les mantides, alors que ce n'est encore qu'un enfant. Donc ça, c'est quelque chose qui va évidemment avoir des petits problèmes, notamment la mère de Shailun, la femme de Kang, qui va tout simplement essayer de s'interposer, hein, de protéger son enfant, en essayant de négocier avec les gardes. Et on imagine voilà, la mère en pleurs qui essaye de protéger son enfant. Et en résistant, hein, elle fait acte de résistance, même si c'est plus par des gémissements et autres, elle résiste malgré tout. Et du coup, les soldats de l'Empire l'abattent sous les yeux de Kang. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est un traumatisme, on peut imaginer, assez profond. Son fils qui va être envoyé au mur. Et à cette époque, le mur, comment dire, c'est... Quand vous êtes un enfant et que vous affrontez et que vous revivez Starship Troopers, ça finit mal. Généralement, ça finit mal. Donc l'espérance de vie des esclaves envoyés sur le mur, c'est pas pour rien que les Mogus les envoient sur le mur, quoi. Ça permet de faire le tri. Donc, et là, maintenant, sa femme meurt sous ses yeux. C'est quelque chose de c'est un choc, c'est un véritable choc. Hein. Le mot traumatisme, je pense qu'il n'est pas du tout abusé. Et au final, il va perdre toute sa famille, sachant que c'est même pas terminé, hein, dans son malheur ça continue, puisque pour l'exemple, pour justement le quartier etc, pour montrer l'exemple, eh bien sa maison va également être brûlée, incendiée, avec du coup tous les souvenirs de sa femme et de son fils. C'est quelque chose qui va faire vriller bien sûr Kang, hein, puisqu'il va sombrer totalement dans le désespoir avec la perte de son fils et la mort de sa femme. Sachant que ce qui est assez intéressant, le mot est peut-être un petit peu dur, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il en est du sort de Shailun. Kang n'aura jamais aucune nouvelle de son fils. Donc il est clairement
Il y a de grandes chances que le fils soit mort. Je vois pas le fils survivre. Et l'histoire n'a pas retenu de nouveautés sur le fils. Donc il y a de très grandes chances que le fils soit mort. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas. Et au final, Kang va finalement se reprendre après un temps où il sombre un petit peu dans la dépression. Puisqu'il va finalement se reprendre et se dire que c'est pas comme ça que sa femme et son fils aimeraient le voir. Et il va essayer de tâcher d'honorer tout simplement la mémoire de sa famille. Et il s'en rend compte aussi que son cas est ce qu'il... Et l'un des facteurs, on va dire, de changement, c'est aussi que son cas est très loin d'être isolé. Kang, c'est qu'un pandaren parmi tant d'autres, où eh bien, des familles sont arrachées, des enfants sont envoyés sur le mur, des femmes sont tuées, des maris sont tués. Donc Kang est loin d'être le seul. Et c'est à ce moment-là où il va avoir, on va dire, une réflexion intérieure, une réflexion profonde sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que, justement, les Mogu ont besoin d'infliger une telle souffrance? Pourquoi Lao Fei a besoin d'infliger autant de souffrances à son peuple, autant de malheurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Kang va avoir vraiment un déclic, une révélation, puisqu'il va se rendre compte à ce moment-là qu'en fait, ces démonstrations de force, elles sont brutales, elles sont là pour faire des exemples, et au final, c'est justement une forme de maquillage. Alors, comment ça? En fait, tout simplement, ça sert à maquiller des faiblesses. À savoir, notamment, que le système de l'Empire Mogu, le système Mogu, est tout simplement basé sur une dépendance absolue sur les esclaves. C'est-à-dire que sans esclaves, l'Empire Mogu ne peut pas tourner correctement. Il n'aura pas la main-d'œuvre, il n'aura pas la chair à canon, il n'aura pas les messagers, il n'aura pas les administrés, il n'aura pas de... Enfin, sans les esclaves, l'Empire Mogu s'effondre, puisque l'Empire Mogu est basé sur les esclaves. C'est d'ailleurs un des points culturels qu'on avait évoqué dans la différence entre les Andalari et les Mogu. Les Andalari, eux, ne veulent pas justement se reposer autant sur des esclaves. Et d'ailleurs, ils trouvent ça barbare en plus, mais il y a d'autres raisons. Et au final, il se dit que justement, si les esclaves sortaient de l'équation, l'Empire Mogu s'effondrerait. Et c'est là où, justement, il va avoir un petit déclic, c'est qu'il sait que les Pandaren n'ont pas le droit aux armes. Si jamais Kang est trouvé avec une arme, à ce moment-là, il sera tué avant même d'avoir pu changer les choses. Ce qui fait qu'il va transformer ce code pénal, ces lois Mogu, qui, je le rappelle, c'est aussi un grand législateur à la base, hein, Lai Shen, hein, donc tout ce système aussi a été mis en place par Lai Shen et ses successeurs. Et donc, Kang va se servir de son propre corps. Pandaren, c'est vrai qu'on a tendance à rigoler, tout ça, c'est des pandas, ça fait des roues, ah, c'est mignon. Mais un pandaren, c'est un ursidé, c'est un furlbox, hein, tout simplement, hein. c'est les furlbox de Pandari. Et du coup, un pandaren, bah, c'est un putain d'ours en fait, c'est costaud un ours, c'est très musclé. Donc, justement, Kang va se servir de son propre corps et essayer de le fortifier pour en faire une véritable arme. Et c'est ainsi, justement, n'ayant pas accès aux armes, qu'il s'entraîne aux arts martiaux, hein, ce qu'on appelle les arts martiaux, donc pour éviter les soupçons des Mogu, pour éviter d'être arrêté ou au pire tué, il camoufle ce style de combat justement en forme de danse en fait, en forme de danse rituelle, ce qui rappelle énormément bien sûr la capoeira, hein, la capoeira qui était justement un système de danse arts martiaux brésilien. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas d'Amérique du Sud, c'est principalement brésilien, mais peut-être pas que brésilien, j'ai pas à vérifier. Mais n'hésitez pas dans les commentaires. un style d'art martial justement mêlant force physique, mais pas que, aussi adresse avec l'utilisation notamment des paumes et des pattes arrière pour justement pouvoir frapper de manière chirurgicale, hein, avoir une analyse critique des points faibles de son adversaire, taper très vite et très fort à un endroit pour justement désarçonner un petit peu son adversaire. Sachant qu'évidemment, hein, s'il s'entraîne dans ce genre de cas, c'est pour fracasser des mecs qui ont une peau de pierre, hein, des Mogu. Donc il va justement essayer de voir un petit peu les points faibles de l'anatomie Mogu, et c'est ce qui va découler tout simplement de la création du premier moine de l'histoire. Kang est le premier moine de l'histoire, et suite à sa longue formation, il va justement encore une fois réveiller un petit peu son propre corps. Il va démontrer sa maîtrise à d'autres esclaves. Les esclaves, alors il y a la fameuse légende où il affronte 100 esclaves à main nue et aucun ne parvient à le toucher. Et ça va justement époustoufler
par sa maîtrise de son propre corps et des arts martiaux, eh bien, et même son esprit, son esprit dans tous les sens du terme, sa manière de parler, sa manière de réfléchir, de penser le monde, c'est quelque chose qui va profondément époustoufler la population d'esclaves. Et certains vont commencer à partager ses idéaux et même vouloir apprendre, en fait, cette curiosité intellectuelle, cette curiosité d'apprendre un petit peu comment il a réussi à devenir comme ça et vouloir faire un peu de même et suivre ce leader, je dirais, charismatique. Et du coup, Kang va prendre des disciples et va leur enseigner justement son art, hein, tout simplement, son art martial ou ses arts martiaux. Et c'est ainsi que va naître, hein, que naquit la voix du moine. C'est pas un ordre spécifique, c'est vraiment juste la voix du moine pour le moment. Donc des centaines d'esclaves vont se joindre à Kang, à tel point, il y a une telle influence que ça commence même à éveiller des soupçons. Et pour éviter justement qu'il y ait des problèmes et d'attirer trop l'attention des mogus, eh bien, face à cette agitation, les moines vont justement être forcés de bouger des zones, on va dire, un peu plus urbaines et d'aller plutôt dans les régions rurales, avec notamment le fait de se cacher dans les hautes montagnes de Kunlai pour pouvoir justement échapper à leurs oppresseurs. Parce que au départ, c'est juste des soupçons, ça commence à suivre avec de l'agitation, et ensuite, il y a carrément des gardes armés qui vont commencer à s'opposer. Donc Kang et ses disciples partent s'exiler dans les montagnes. Ce qui est assez intéressant parce qu'au final, si on regarde l'histoire des Pandaren, très souvent c'est une race qui vit sur les versants des montagnes, on va dire, ou dans les vallées proches des montagnes. Et dans les moments de grands problèmes, hein, de grands troubles, quand les chiens est venu, etc., là ils vont dans la haute montagne, là où normalement la vie est très dure, la vie est difficile, le climat est très sec, très froid, etc. Donc c'est très compliqué de survivre, hein, la vie est plus difficile dans les hauteurs. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que dans les moments de besoin, les Pandaren justement prennent de la hauteur au sens propre comme au figuré. Et ce qui est intéressant, c'est que les Mogus justement ne s'imaginent même pas, ils voient tellement les Pandaren comme des faibles et autres qu'ils n'imaginent à aucun moment, il y a déjà probablement, hein, dans l'histoire Mogu eu des esclaves qui fuient, etc., et l'espérance de vie dans les montagnes est très très faible. Donc à aucun moment ils pensaient justement, ils s'attendaient à ce que les moines survivent dans un milieu qui leur était aussi hostile. Donc ça c'est intéressant, parce que là où les oppresseurs n'avaient pas anticipé ce système, en fait les moines, comme ils ont fortifié, ça fait partie justement de cette voie du moine qui est très exigeante envers le corps et l'esprit, eh bien les moines vont réussir à survivre dans les hauteurs. Et ça c'est quelque chose de très important. Le contrôle le contrôle de leur corps justement permet, hein, aux moines de survivre. Et justement dans les rigueurs de ce climat, eh bien ils essayent, voilà, de voir un petit peu, de se déployer dans les montagnes, de voir plein de choses, etc., dans leurs différents rituels. Eh bien à un moment donné, en fait, ils vont bâtir un temple justement pour accueillir les nouveaux élèves, parce qu'il y en a d'autres qui du coup grimpent dans les montagnes pour essayer de rejoindre la légende Kang qui commence à naître. Et ce qui est intéressant, c'est que Kang, dans ses propres pérégrinations, eh bien il va découvrir un trésor qui est tout simplement inestimable et que vous voyez ici, évidemment. Il s'agit de Xuan. Eh oui, Xuan qu'on avait vu, ou Xuan pour ceux qui le prononcent comme ça, mais c'est le X se prononce Chou, donc Xuan, qui était toujours, je le rappelle, maintenu captif dans les montagnes depuis la défaite face à Lai Shen. Et c'est ce que j'essayais de vous dire avant, une autre période où les Pandaren avaient pris de la hauteur. Et au final, eh bien, Xuan avait été tout simplement enfermé dans les montagnes et il avait été un peu laissé de côté. Hein. Les dynasties se sont succédées les unes après les autres et on en a un petit peu oublié la présence de Xuan. De toute façon, il était enfermé. Donc au final, eh bien, Kang arrive à le délivrer et à le libérer. Je rappelle, hein, dans les montagnes de Kunlai. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, en libérant Xuan, hein, l'astre vénérable Xuan, le tigre blanc, eh bien, il y a cette reconnaissance, bien sûr, de Xuan envers les Pandaren, et il va du coup rejoindre Kang et son temple. Et sous l'enseignement de Xuan, eh bien, hein, qui, je le rappelle, a cette connexion avec la vie et autres, eh bien, ils vont apprendre à contrôler ce qu'on appelle le Qi, ou le Qi, c'est-à-dire le pouvoir de l'esprit de la vie. Et c'est là où ce qui va être important, c'est que déjà ils ont renforcé leurs muscles, leurs forces et leur concentration. Mais en plus de ça, eh bien maintenant ils vont avoir un contrôle sur un élément, hein, qui est tout simplement l'élément de la vie. Et ça, c'est très important. Parce que cette force intérieure, elle se présente en chaque individu et elle s'exprime par notamment le calme. Donc ce sont des combattants, mais qui ont un calme intérieur qui leur permet d'accéder, d'ouvrir une porte vers le psychisme, tout simplement vers l'élément de la vie et de pouvoir canaliser, malaxer cette force pour pouvoir s'en servir en tant qu'arme.
Donc vraiment transformer leur corps et leur esprit en une arme. Et ça, c'est très intéressant. En plus de ça, bah, Shuen va leur apprendre une partie de leur histoire et autres, hein, des légendes du passé. Et suite à la formation de Shuen, eh bien, les moines se sentent enfin prêts. Ils vont beaucoup étudier auprès de l'astre vénérable. Et ils se sentent maintenant prêts pour l'épreuve qui les attend. Et c'est pas n'importe quelle pierre qui est dressée face à eux, puisqu'il s'agit tout simplement de renverser l'Empire Mogu. Et c'est dans les caveaux Mogu que le premier sang va être versé, que les Pandaren vont frapper les premiers, puisque dans les caveaux Mogushan, ils vont tout simplement... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont désactiver la possibilité à un empire de pouvoir faire appel à des forces en grand nombre, à savoir tout simplement désactiver en fait les moteurs de Nalaksha pour éviter que les Mogu fassent appel aux armées, vous savez, de terre cuite, les armées de pierre Mogu, qui sont stationnées en cas de besoin. Les chaînes en avaient utilisé notamment pour sa conquête d'Uldum. Alors, ce qui est intéressant, moi en travaillant et avec Eva en travaillant sur ces sources et sur les informations, hein, les sources sont dans la description, je le rappelle, mais toutes ces informations, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est principalement du Chronicles d'ailleurs, mais comment, et même dans Mist of Pandaria, hein, il y a des quêtes là-dessus, et moi le premier truc qui m'a choqué, mais c'est comment ils savent. Comment les Pandaren savent pour les moteurs de Nalaksha, et surtout sur le fait que le moteur de Nalaksha puisse désactiver l'armée de terre cuite, et même comment savent-ils qu'il y a une armée de terre cuite. Alors je suis sûr que plein d'entre vous vont trouver des excuses, oui, bah, ils peuvent faire ça, parce que ça c'est à Blizzard de nous le dire. Et pour le coup, bah, c'est vrai que là-dessus ils ont un peu oublié. Et on pourrait penser, l'excuse la plus simple serait de dire c'est Shuen, mais c'est dommage que les scénaristes aient pensé à plein de trucs et n'aient pas pensé à ça pour le coup, parce que l'explication était facile à trouver, mais bah ils l'ont pas fait. Du coup, derrière justement inspiré première victoire militaire pour les Mogu, première victoire militaire pour les Pandaren, et cette victoire militaire est hautement symbolique, puisque justement les moines gagnent le soutien de la population Pandaren, hein. Il n'y a pas que les moines dans le gros de la population, il y a des personnes, des citoyens et des villageois normaux, et du coup, eh bien, les Pandaren vont se dresser, on va dire, c'est un peu le Robin des Bois de l'époque, hein, pour eux, voilà, ils se battent pour le peuple, etc. Donc, il gagne le soutien de la population Pandaren, mais pas que. Il va tellement être perçu comme brillant et on va dire celui qui arrive à fracasser, à détruire les Mogu. Ça, c'est quelque chose qui résonne chez les Pandaren, mais pas que. C'est chez les autres esclaves aussi. Et la plupart des races oppressées, hein, par leur maître esclavagiste vont justement voir en tant que Kang, même si c'est pas un des leurs, eh bien ils vont le voir un sauveur en fait, tout simplement. Donc chaque race va pouvoir apporter sa contribution à ce grand soulèvement populaire, et la dépendance, comme on le disait, aux esclaves va devenir fatale pour l'Empire Mogu. Alors petit listing, hein, par exemple les Ozen que vous voyez, donc les hommes singes. Eh bien, ils sont tout simplement sur une situation où bah, ils sont très, très à même de pouvoir tendre des embuscades et frapper un petit peu les différents régiments, les gardes, les stationnements Mogu. On a à côté de ça les augures, les oracles qui peuvent permettre au mouvement populaire d'anticiper, grâce aux eaux et à leur pouvoir sur les eaux, de pouvoir anticiper où vont être les mouvements des armées, ce qui est quand même très pratique. Et ceux qui sont restés en interne, on va dire, dans l'Empire Mogu en tant que consultants, peuvent aussi envoyer de fausses informations pour... Donc là, c'est vraiment un double effort qui va être très très intéressant chez les Jinyu, les hommes poissons, qui sont les descendants des Murlocs, hein, je le rappelle aussi. Et à côté de ça, vous avez aussi, moi, le rôle que j'ai à voir, les Yongol, il n'y a pas besoin de dire. Pandaren, Yongol, c'est les deux races les plus fortes en tant qu'esclaves, hein, c'est ceux qui sont les bâtisseurs généralement, hein, ceux qui vont porter les charges très très lourdes, hein, les bêtes de somme un petit peu de l'Empire. Donc eux, bah, ils prennent les armes et ils fracassent tout. Hein. Les Pandaren vont quand même aller se tourner vers la voie du moine, alors que les Yongol vont se tourner vers la voie du bœuf. Non, la voie des bourrins, hein, simplement. Et les grumelots, moi j'adore ce rôle pour les grumelots, c'est tout simplement cette capacité. C'est vraiment pour montrer justement la dépendance des Mogu aux esclaves. Vous voyez vraiment avec les grumelots, qui sont rien du tout, qui, je le rappelle, sont des trogs, qui ont des trogs changés, modifiés, pour pouvoir devenir des grumelots par les Mogu, eh bien cette petite race que l'on sous-estime tellement, on se dira c'est des moins que rien, tout ça, cette petite race va notamment jouer un rôle, mais prépondérant plutôt, dans le soulèvement de l'Empire, et complètement détruire les Mogu de l'intérieur. Mais on va se dire, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sapé des endroits, ils ont détruit, ils ont fait des... Non! En fait,
L'Empire Mogu est vaste. Grand, grand territoire. Et je rappelle que la Pandarie actuelle n'est qu'un morceau de ce qui était l'Empire Mogu, puisque l'Empire Mogu était plus grand encore. Mais même la Pandarie n'est pas à l'échelle. Ce sont des grandes zones, des très grandes zones qui mettent des jours, des semaines, voire des mois à traverser. Donc en fait, les Grumelots ont un rôle de messager au sein de l'Empire Mogu. C'est-à-dire qu'une armée stationnée de Mogu vers l'ouest de l'Empire, si la capitale lui envoie un ordre, maintenant il y a un soulèvement à l'est, tu dois bouger, ou vers le nord, donc tu bouges maintenant vers le nord. Si les messagers transportant ces missives prennent leur temps, changent les ordres, ça chamboule complètement tout l'Empire. Ce qui fait qu'il y a des soulèvements qui éclatent, qui explosent un petit peu partout. Mais l'armée, elle est envoyée dans une zone, le soulèvement est parti, elle repart dans une zone, il n'y a personne. Et c'est là où l'information est vitale en fait, hein, dans un conflit comme ça. Et c'est là où vous voyez que les Grumelots, en ne faisant rien quasiment, eh bien ils chamboulent complètement tout un empire. Parce qu'il y a des armées de légionnaires Mogu qui sont là, mais qui sont capables complètement d'atomiser la révolte. Mais en fait, bah, ils sont envoyés à des endroits où il n'y a personne. Et pendant ce temps, bah, ça, y a un soulèvement ailleurs, et ensuite quand ils reviennent, il n'y a plus rien. Ou ils vont dans un mauvais endroit, et ça change complètement tout. J'aime beaucoup vraiment l'exemple des Grumelots. Sauf qu'au final, eh bien, on va réussir à libérer de plus en plus d'esclaves, et l'armée populaire va grandir, énormément grandir, et le conflit va devenir tout simplement total dans l'Empire. Hein. C'est une véritable guerre civile au sein de l'Empire, entre les esclavagistes et les esclaves. Et les Mogus, justement, désemparés, décident, sous les ordres de Lao Fei, décident de se regrouper parce que bah, ils peuvent pas tenir l'ensemble de l'Empire, du Royaume, c'est impossible. Donc, plutôt que d'essayer de protéger un petit peu partout, ils vont se réunir au Val de l'Éternel Printemps, ce qui est encore une fois très symbolique, hein, ça a toujours été l'endroit que les Mogus défendent contre vents et marées. Et bien, ça va devenir le grand bastion, la capitale des Mogus, et tout le monde se... Tout le monde, toutes les forces, toutes les troupes, toutes les milices, etc. Mogu sont chargés de revenir au Val de l'Éternel Printemps et de défendre cette zone. C'est du coup bah, une grosse perte de territoire pour l'Empire Mogu. Il y a vraiment cette volonté de se barricader. Et Kang, donc c'est une énorme, c'est une très grande victoire. Jamais les Mogu n'ont autant reculé depuis Leishen en fait, enfin depuis même avant Leishen. Donc c'est une énorme victoire pour le peuple opprimé des différentes races qui avaient été mises à l'esclavage. Mais le truc c'est que tout le monde y voit une victoire, mais pour Kang lui, il est un peu plus visionnaire, il sait que ça ne suffira pas en fait. Ça c'est une très bonne victoire, mais s'arrêter là, ça fait qu'un jour les Mogus reviendront encore plus forts, préparés cette fois-ci, et gagneront militairement par les armes, et de nouveau reconquerront leur ancien territoire, et pourront eh bien, remettre en esclavage toutes les races qui se sont libérées. Donc c'est quelque chose qui est très important, il craint un retour de l'Empire, évidemment. Donc c'est l'heure pour lui de sonner la charge et de porter le coup de grâce et de frapper avant que la flamme s'éteigne, hein, que l'élan retombe, l'élan militaire de victoire retombe. Donc il va y avoir justement cette ultime bataille au cœur du Val de l'Éternel Printemps, où les défenseurs Mogu vont affronter les différentes races, et notamment les moines Pandaren, et c'est là qu'un duel va avoir lieu, bien sûr, à savoir le duel entre Lao Fei, le dernier empereur Mogu, face à Kang, hein, tout simplement le maître des moines, hein, le maître Kang. Et Kang va tout simplement tuer Lao Fei, mais il va également mourir de ses blessures. Donc ce duel va avoir la mort des deux grands protagonistes de l'époque. Et au final, les vainqueurs, justement, en plus en voyant leur leader, en voyant leur dirigeant mourir au combat face aux oppresseurs, eh bien, il va y avoir une véritable soif de sang, hein, qui va gagner les différentes races s'étant libérées de leur statut d'esclave. Et l'élan héroïque de Kang va surtout inspirer une personne en particulier, un grand penseur, et qui était l'un des principaux gardes de Kang, hein, l'un de ses bras droits. Le disciple tout simplement de celui maintenant qu'on surnomme le point de la première aube, hein, ça c'est le titre de Kang, c'est l'un des titres de Kang justement, le point de la première aube. Et bien l'un de ses disciples de ce point de la première aube va justement vouloir honorer la mémoire de son maître, car il sait que lui-même n'aurait pas souhaité qu'on tue tous les Mogu et qu'on choisisse en fait d'inverser le rapport dominant-dominé. Ce qu'il veut c'est tout simplement un équilibre. Et justement, maître de cet enseignement des moines, à savoir contrôle des émotions, l'équilibre dans toute chose. Et du coup, il va
tout simplement exiler les survivants Mogu. Et l'Empire Mogu, ça y est officiellement effondré. Donc les Mogu, ils continuent d'être, on va dire, un peu... ils vont pas être exilés tous à un même endroit, ce qui fait qu'en fait vous allez avoir différents clans Mogu qui vont être exilés à un endroit, enfin tous vraiment disséminés dans aux quatre coins de l'Empire, pour éviter que les Mogu puissent facilement se regrouper et relancer un assaut. Et au final ça va plutôt bien fonctionner, ce qui fait que on a justement le nouvel Empire, l'Empire Pandaren, qui va voir le jour, hein, d'un empire, des ruines, des cendres d'un empire, va naître un nouveau, l'Empire Pandaren. Et c'est ce disciple justement de Kang qui va marquer aussi l'histoire à sa manière, c'est Song qui va tout simplement, en tant que disciple de Kang, servir justement, on va décider du sort des anciens maîtres, mais surtout, il était avant au sein des moines de Shuen, il était tout simplement le gardien du savoir des Pandaren. Et bien maintenant que l'Empire Pandaren est en train de naître, il va, fier de ses connaissances, de ce savoir et de son vécu, de son histoire, il va pouvoir devenir tout simplement le premier chroniqueur de l'histoire des Pandaren. Donc il devient le premier chroniqueur du nouvel empire naissant des Pandaren. Et ce qui est... qui, je le rappelle, est un empire multiracial, hein, puisque au sein de l'Empire Pandaren, vous avez du coup les Jinyu, les Ozen, les Grumelot, les Yongol et d'autres. Et j'en passe. Même les Virmen, hein, au final. Et c'est son travail à Song qui va permettre de démocratiser justement la voix du moine, la connaissance des astres vénérables, la connaissance des différents du passé, de l'histoire des différentes races. Et c'est ce qui fait que vous allez avoir notamment beaucoup de moines, hein. Là, vraiment, c'est la démocratisation de la voix du moine qui va se lancer. Et d'ailleurs au final le premier temple qui avait été construit par Kang dans les montagnes de Kunlai, si vous le connaissez, c'est tout simplement le temple de Shuen, le temple du tigre blanc. C'est ce qui reste justement de cette période. Et au final, pendant ce temps à Zandalar, hein, pendant ce temps à Veracruz, vous avez tout simplement l'Empire Zandalaren qui s'est très difficilement remis. Hein, j'en avais parlé dans la précédente vidéo de l'Empire, de la chute, de la destruction d'Uldum, et ce qui fait que ils ont mis des centaines d'années à s'en remettre. Et l'instabilité politique des dynasties Mogu avait aussi l'alliance des deux empires avait fait que chacun s'était un peu recentré sur lui-même, plutôt que de penser politique extérieure, on était revenu sur la politique intérieure avec beaucoup de réformes pour essayer de faire en sorte de se reconstruire. Eh bien, il y avait eu une distanciation qui s'était marquée entre les Andalari et les Mogu. Surtout que, chez les dynasties Mogu, certaines ont été plus longues que les autres, mais il y avait parfois une grosse instabilité politique avec des assassinats, etc. Donc, pour les Andalari, cette distanciation fait que, ils ont suivi ça un peu de loin et avec pas mal de recul. Mais, malgré tout, les Andalari n'ont pas oublié les promesses de Lei Shen, les promesses qui avaient été faites, notamment récupérer certaines terres très fertiles pour l'Empire, hein, notamment au nord de Kunlai. Et la fin de l'Empire Mogu va alarmer Zandalar. Et pendant quasiment une centaine d'années, les Zandalari se posent des questions. Ils se posent des questions, que devons-nous faire, comment ça va se passer? Et ça, c'est très important, parce qu'ils veulent revendiquer leur dû. Sauf qu'ils ne savent pas vraiment comment. Est-ce que c'est par voie diplomatique? Reconnaître l'Empire Pandaren à la place de l'Empire Mogu et du coup essayer de garder les alliances? Ou bien par la force, s'en emparer par la force, puisqu'on sait qu'il y a toujours un rapport de force entre l'Empire Zandalari et l'Empire Mogu, j'en ai beaucoup parlé dans les précédentes vidéos. Et surtout, l'Empire Zandalari est extrêmement hiérarchisé et a une très bonne architecture. Je parle pas des temples, hein, je parle vraiment du point de vue politique, social, etc. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va falloir prendre une décision. Vous avez un empereur, mais vous avez aussi le conseil Zanshuli. Le conseil Zanshuli, c'est un peu le conseil des ministres, hein, comme j'avais déjà évoqué. Et au final, au sein de ce conseil Zanshuli, on va... demander conseil à l'armée, on va demander conseil à l'empereur, etc., hein, au roi de Zandalar. Et finalement, il va y avoir des débats pour savoir est-ce qu'on y va de manière diplomatique, est-ce qu'on y va de manière militaire. Si jamais on y va de manière militaire, quelle armée on envoie? Parce que la dernière fois avec Uldum, ça s'est très mal passé. Donc, est-ce qu'on envoie un dixième des forces? Est-ce qu'on envoie la moitié de nos forces? Est-ce qu'on envoie toutes nos forces? Enfin, il y a ce genre d'ailleurs. Parce que, en dehors de cette histoire, je trouve ça génial qu'on ait autant de détails dans Chronicles, notamment sur Chronicle volume 1, sur justement la manière de faire. On a presque l'impression d'avoir,
d'avoir de la vie politique Zandalari avec voilà le fonctionnement, boum, il y a eu un édit qui est passé, hop, on va partir. Il y en a, je suis sûr, ça les fait chier, mais personnellement, je trouve ça génial, tellement de réalisme, même si le mot est un peu une hérésie dans un monde d'heroic fantasy, mais tellement de cohérence en fait. Tu sens le poids administratif, etc. quoi. Et ouais, un empire de cette taille, bah oui, forcément, il y a ce genre de phénomène qui va arriver, de ce genre de construction politique qui va se mettre en place. Et finalement, c'est le parti belliciste, hein, c'est le parti qui est tout simplement avec à sa tête Menghazi qui est tout simplement l'un des descendants de Zulatra. Hein. Zulatra, on en avait déjà évoqué, c'était le chef du conseil Zanshuli lors de la défaite d'Uldum. Et c'est aussi probablement un des points qui fait que Menghazi, lui, il veut la guerre, hein, il veut récupérer ça par les armes. Mais surtout, il est convaincu de toute façon que les Pandaren, en tant qu'esclaves, auront probablement beaucoup de ressentiments à l'égard des Mogus et ne tiendront pas, ne respecteront pas les promesses, les engagements qu'avait tenus Lei Shen, qu'avait gravé Lei Shen. Donc, Menghazi pense que voilà, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas, les Pandaren ne se soumettront pas à leurs exigences. Donc sur ordre du conseil, après des années, hein, c'est vraiment des années de délibération, c'est quasiment même une centaine d'années de délibération, je crois qu'il y a une centaine d'années qui s'écoulent entre la fin de l'Empire Mogu et le lancement de l'offensive Zandalari. Donc vous imaginez, il y a eu aussi, parce que une fois que l'ordre... que justement ça y est, la guerre a été proclamée, bah, il faut que les armées se mettent en marche, il faut qu'elles se préparent, il faut qu'elles se mettent en branle. On est sur le milieu de l'ancien continent, enfin il y a tout un voyage à traverser, il faut équiper les troupes, etc. Donc ça prend beaucoup de temps, on se rend pas compte comme ça toujours, mais ça prend énormément de temps. Et au final, l'armée va enfin recevoir l'ordre officiel de lancer l'offensive sur l'Empire Pandaren. Ils ne feraient justement pas l'erreur de leurs anciens alliés Mogu. Ils ne sous-estimeraient pas les Pandaren. Pas question de sous-estimer les Ursidés qui ont réussi à démolir les Mogu de l'intérieur. Donc on va vraiment frapper, frappe surprise, une frappe très rapide, très forte, très violente. L'assaut va du coup être très soudain. Pour l'Empire Pandaren qui vient de naître, hein, qui a même pas une centaine d'années. Donc pour eux, c'est direct, c'est soudain et c'est surtout dévastateur. Venant du nord, hein, puisque Zandalari est situé au nord de l'ancien Empire Mogu et du nouvel Empire Pandaren, ils viennent pour justement les terres promises par Lei Shen, donc au nord de Kunlai, qui ne sont pas disponibles en jeu d'ailleurs, puisque bah, c'est des terres maintenant qui sont sous l'eau. Mais ils veulent justement récupérer ces terres promises, les terres fertiles du nord de Kunlai. Ce sont, donc pas dans les montagnes, hein, dans les versants, mais le versant nord. Et au final, eh bien, l'armée Zandalari va jouer notamment sur l'effet de surprise, comme je l'ai évoqué juste avant, mais ils vont frapper aussi très vite grâce à leur cavalerie à la fois terrestre mais aussi aérienne. Et l'ennemi est complètement désemparé. La cavalerie, notamment basée, hein, composée de ce que vraiment des dinosaures, hein, c'est tout simplement, faut pas oublier en plus le soutien des Loa pour les Zandalari. Et le jeune Empire Pandaren, il se distingue des Mogu parce que bah, les Mogu, c'était la force qui était le principal ciment de l'Empire Mogu. Chez les Pandaren, ce serait plutôt la tolérance. Et on n'a vraiment pas envie de reproduire les erreurs de leurs anciens maîtres. Donc on veut vraiment faire un changement profond de manière de mentalité et autres. Donc en fait, bah, et en plus l'Empire est tout naissant, donc on n'a pas encore bien tout prévu. Et bah, ils ne s'attendaient pas à un assaut pareil, venant des Andalari avec lequel eux ils n'ont pas eu vraiment de contact. Et surtout ils n'ont pas d'armée de métier en fait. C'est con, mais ils n'ont pas d'armée de métier. Et faut pas oublier que leur principale préoccupation en Pandaren, il peut y avoir des révoltes, il y a encore des clans Mogu qui ne s'avouent pas vaincus, donc il faut aller les mater. On a également de l'instabilité parfois entre les différentes races, hein, les Ozen et les Jinyu peuvent toujours pas se saquer, on a les Yongol qui parfois pètent un plomb, c'est encore un peu compliqué. Et surtout, c'est pas parce que les Pandaren ils ont renversé les Mogu que ça change quoi que ce soit pour les Mantides. Les cycles Mantides continuent. Toutes les centaines d'années, ils reviennent, ils arrivent sur le mur, ils fracassent tout et ils sont pas prêts d'abandonner. Donc pour les Pandaren, bah, c'est vrai qu'on s'attend pas du tout à un assaut. Et comme il n'y a pas d'armée de métier, ah bah, c'est une percée extrêmement rapide, hein, que font les forces Zandalari. Et ils commencent, hein, ils viennent du nord de Kunlai et ils franchissent, justement ils arrivent à atteindre quasiment le cœur de l'Empire Pandaren. Et le cœur a été déplacé, ce n'est pas le Val de l'Éternel Printemps pour les Pandaren.
Mais c'est la forêt de jade. Et alors probablement dans des anciens bâtiments, enfin des anciens bâtiments mogu très probablement, hein, des ruines aujourd'hui dans le jeu, World of Warcraft. Mais du coup, bah, c'est dans la forêt de jade. Et comme je le disais, le gros problème pour les Pandaren, c'est l'absence d'armée de métier et aussi le fait que les troupes, les rares, on va dire, forces armées de l'Empire Pandaren constituées de moines, notamment hein, de moines de Shuen. Bah en fait, les mecs ont une mission impériale, c'est de protéger le mur, protéger l'échine du serpent. Hein, on n'envoie plus des esclaves sur le mur, maintenant on les remplace par des moines. Et c'est leur principal rôle, c'est de repousser les mantides. Donc ils ont encore une fois toujours les cycles mantides dans la tronche. Je l'ai déjà dit, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais les mogus, etc. Donc en fait, ils sont quasiment à l'opposé, hein, ils sont à l'ouest de la Pandarie. Complètement. Oh, il y a aussi les Sorok hein, qui viennent casser les noisettes, hein, donc, et ça c'est au sud. Donc ils sont complètement à l'opposé de la menace directe, composée des armées en Alari. Donc ils essayent de se rassembler en urgence. Le problème c'est quand c'est fait dans l'urgence, bah c'est pas fait proprement. On n'a pas assez de monde. Hein, il y en a encore beaucoup qui sont stationnés sur le mur. Donc les forces des moines Pandaren qui arrivent, hein, eh bien elles vont complètement être en infériorité numérique vis-à-vis des armées en Andalari. Et les Pandaren vont essuyer défaite sur défaite. Hein, c'est vraiment terrible. Et notamment l'un des facteurs qui fait remporter les batailles, c'est la supériorité aérienne des Andalari, notamment les chevaucheurs de Ptérodactyle. Qui sont pas des dinosaures d'ailleurs. Je rappelle, c'est ptérosaures, donc c'est cousins des dinosaures. Et oui, apprenez aussi en paléontologie hein, sur cette vidéo. Et également, tout simplement, les chevaucheurs de chauves-souris Zandalari qui vont aussi faire la différence. Donc c'est des moments hein, où les moines sont complètement désemparés et la chute, l'Empire est sur le bord au bord du gouffre au niveau de sa de la défaite militaire totale, de la capitulation totale. Donc la brillante stratégie d'Andalari, au final, elle fonctionne très très bien. Sauf que le problème, c'est que ça va être aussi la clé de leur défaite, puisque en attaquant les différentes provinces de la forêt de Jade et le cœur de l'Empire Pandaren, eh bien, la plupart des Pandaren vont tout simplement fuir ou constituer des milices. Mais en plus des milices, il va y avoir tout simplement une Pandaren qui va être jetée dans les tourments de la guerre, et cette Pandaren s'appelle Jiang. Et Jiang, eh bien, elle a une particularité parmi les autres Pandaren, c'est tout simplement que, contrairement à son peuple qui voit ce qu'on appelle nous plus communément les dragons, mais ce ne sont pas des dragons, ce sont des serpents nuages, et les serpents nuages sont très très mal vus en Pandarie parce que eh bien, ils peuvent amener la destruction dans leur sillage. Et donc, bah, les Pandaren voient très très mal ces créatures. Mais elles ne les comprennent pas, au final. Et Jiang, eh bien, elle s'est liée d'amitié avec un de ces serpents nuages qui était orphelin. Hein, lors d'une violente tempête, sa mère a été tuée et sa portée a été détruite. C'était le seul œuf survivant. Et du coup, eh bien, c'est un petit serpent nuage qui n'avait plus rien, qui était quasiment destiné à mourir sans l'intervention de Jiang. Ce qui fait que Jiang, eh bien, va prendre le petit serpent nuage sous son. Va l'élever un petit peu comme un animal de compagnie. Et au final, ce petit serpent nuage, elle va l'appeler Lo. Oui, comme la loi. Et il va la ramener, la loi. Puisque ce jeune serpent nuage, eh bien, va devenir un petit peu son familier. Son animal personnel, mais il y a une profonde amitié qui lie tout simplement la Pandaren et le serpent nuage. Et justement, eh bien, lors d'une bataille qui était quasiment perdue, enfin, qui était en train d'être perdue par les moines, eh bien, elle fait fi des préjugés de son peuple et elle va chevaucher l'eau, elle va chevaucher tout simplement le serpent nuage. Et lors d'un de ses assauts, eh bien, son intervention va tout simplement changer le cours de la bataille et sauver l'armée Pandaren. Enfin, l'armée, les moines, tout simplement, les défenses Pandaren. Donc en renversant justement le cours de cette bataille, eh bien, son courage va également, l'image de Kang un petit peu, son courage va inspirer les autres Pandaren qui vont ouvrir les yeux un petit peu sur ces créatures qu'ils méconnaissaient au final. Et c'est là que va se créer tout simplement l'ordre du serpent nuage, qui a toujours d'ailleurs son QG dans la forêt de Jade. Et c'est là que certains Pandaren eh bien, vont se lier aussi d'amitié avec les serpents nuages, comme à l'image, on va dire, hein, et sous la tutelle bienveillante de Jiang. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'avec maintenant l'ordre du serpent nuage, et le renfort bien sûr des armées moniales, j'allais dire, mais bon, encore une fois, c'est pas vraiment des armées, le choix de mots est impromptu de ma part, est pas bon, et surtout incorrect, mais la nouvelle force de frappe Pandaren, eh bien, elle va tout simplement retourner l'équilibre des forces.
Le cours de la guerre est en train de changer. La supériorité aérienne des Andalari maintenant est prise et complètement. Enfin, ils s'y attendent pas non plus en fait. Hein. Et encore une fois, la stratégie très rapide des Andalari se retourne contre eux parce que les serpents de jade et les chevaucheurs de serpents de jade vont frapper aussi très vite et très fort. Et les Andalari n'étaient pas prêts à affronter cette nouvelle menace. Et les trolls vont petit à petit essuyer défaite sur défaite, ce qui inverse complètement le cours de la guerre. Et au final, pris à la gorge, les trolls vont prendre la décision, je dirais, de dernier recours. C'est Menghazi, le dirigeant du conseil Zhongshuli, qui dirige l'expédition, va choisir la solution de dernier recours, à savoir ressusciter Lai Shen, comme son ancêtre avant lui devait le faire, Zulatra, mais qui a été tué à Old Doom. Mais comme c'était prévu, lui aussi, il va essayer de tenir ses promesses à lui vis-à-vis des Mogu, et essayer tout simplement de rester Lai Shen, puisque seul un dieu pourrait... avec le soutien de Lai Shen, c'est le soutien d'un dieu directement, et il pourrait renverser le cours de la guerre une nouvelle fois. Mais au final, lors du rituel de résurrection, c'est Jiang qui va frapper directement, mettre fin au rituel, en tuant les ritualistes présents, mais surtout en tuant tout simplement Menghazi lui-même, ce qui fait que ça coupe tout simplement le rituel en pleine invocation. Ce qu'elle va faire au péril de sa vie, puisque Jiang va se sacrifier pour pouvoir arrêter Menghazi et tuer Menghazi. Victoire militaire tout simplement donc des Pandaren, de l'Empire Pandaren. Et je le rappelle d'ailleurs, l'Empire Pandaren, c'est tout simplement un empire qui n'est pas basé que sur, on va dire, une race. Même si on l'appelle ça l'Empire Pandaren, il y a aussi des empereurs Jinyu, il va y avoir des empereurs... Alors je crois pas qu'il y ait des empereurs Ozen, par contre. Mais il y a des empereurs Jinyu, et en tout cas il y a des empereurs, et surtout des empereurs Pandaren. Mais il y a aussi des empereurs Jinyu. À côté de ça, donc les Andalari vont essuyer un nouvel échec. Enfin, la guerre est terminée, les Andalari sont repoussés du nouvel Empire Pandaren. Et vont devoir repartir à Zandalar. La queue entre les jambes, l'armée a échoué une nouvelle fois. C'est un nouveau revers qui suit les Andalari après Old Doom. Maintenant, c'est tout simplement la défaite contre l'Empire Pandaren. Et c'est un nouveau revers qui va être véritablement dramatique. Nouvel échec retentissant qui va tout simplement continuer l'enfoncement petit à petit, la décadence de l'Empire Zandalari qui... est passé d'un des empires les plus importants et l'un des plus puissants de son époque à une force d'ordre, je dirais, secondaire, ou en tout cas, il faut toujours la prendre en compte, mais c'est pas la première puissance mondiale, on va dire. Donc, l'ordre justement mondial va être sur le point d'être bouleversé, puisque avec la décadence des Andalari, un nouvel empire va se dresser, et l'ironie dramatique de la situation, c'est que ce nouvel empire... qui va se dresser et bouter les Andalari encore une fois, c'est tout simplement une menace qui va venir de leur propre espèce, à savoir les trolls sombres qui vont devenir tout simplement les elfes de la nuit, les Kaldorei. On y reviendra donc dans une prochaine vidéo, ce sera les prémices de la guerre des anciens, pas encore la guerre des anciens, mais les prémices de la guerre des anciens. Par contre, cette vidéo, elle arrivera pas tout de suite, puisqu'on va continuer les vidéos annexes de Mist of Pandaria. Et c'est justement la prochaine qui va concernant. Donc, ça sera la prochaine chronologique, les prémices de Pandari. Mais c'est pas encore vraiment c'est pas la suite pour nous, puisque la prochaine sera sur encore une fois des annexes de Mist of Pandaria, à savoir les fardeaux de Shao Hao. Donc, ce sera encore une fois très important, puisque il va y avoir aussi des dynasties dans l'Empire Pandaren qui vont s'écouler, qui vont se succéder les unes envers les autres, des empereurs Jinyu comme je l'ai déjà dit, et au final on s'attardera sur le dernier empereur de la lignée impériale Pandaren qui s'étire sur une période à peu près de 2000 ans, et au final c'est Shao Hao qui va justement avoir un impact très profond sur l'avenir et de ce qu'on va appeler la Pandarie plus tard, puisque cette période se déroule pendant la guerre des anciens, donc ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y avait deux gros événements, à savoir la chute de l'Empire Mogu et le conflit entre les Andalari et les Pandaren, et cette période elle a été compliquée, parce que en dehors de ce superbe artwork, je crois que c'est du Peter Lee d'ailleurs, de Chronicle, c'est vrai qu'on a très peu malheureusement d'images de l'époque, et c'est encore pire pour la période qui arrive avec les prémices et l'essor d'Ashara, l'essor de l'Empire Kaldorei.
et les guerres, les luttes entre l'empire elfe de la nuit face aux autres empires trolls, bah là c'est simple, il n'y a aucun artwork en fait. Hein. Donc c'est, on travaille sur une période qui est super intéressante, mais qui malheureusement a très peu de visuels. Et si vous saviez à quel point ça a été dur de trouver un visuel de Pandaren juste blessé ou triste, ça a été une galère pas possible. Donc si jamais il y a des artistes parmi vous qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas, c'est une période qui est vraiment géniale. Donc n'hésitez pas à faire des représentations de cette période. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans les descriptions pour voir les différentes vidéos que vous avez pu peut-être manquer. Il y a également les sources et mes propres réseaux sociaux, mais surtout ceux aussi d'Evanessor, hein, qui m'a beaucoup aidé à faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le soutenir sur Twitch, sur YouTube. Hein, il a sa propre chaîne YouTube, Evanessor. Et également, tout simplement, Facebook, Twitter. Voilà, plein de bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et les fardeaux, ciao. Bisous. Bonjour, c'est Jiang. Je suis une petite pandarène. Et je vous invite, bien sûr, comme mon fier destrier que vous voyez à l'écran, l'eau. Eh bien, n'hésitez pas à aller suivre Malianir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'oublie pas de liker et de partager cette vidéo autour de toi. Oui, vous avez vu les mignons pandarennes? Eh ben, ils ont une histoire un peu dure quand même. Hein. Pas facile. Voilà, bisous.